Bonjour mon chéri. Mmh. Hey, t'as vu comme elles sont belles? Bien dormi? Ouais. Ah, et tu pourras me laisser de l'argent pour la cantine des enfants? Encore? Bah quoi? J'ai plus de liquide sur moi. Bah voilà, c'est chaque fois la même chose. On paye toujours en retard et tes enfants passent pour des gosses de pauvres. Eh bien, tu n'as qu'à leur dire la vérité. Quoi? C'est qu'entre une nouvelle paire de chaussures et la cantine, tu n'as pas hésité. Oui. Ah, c'est joli ça, tu vois. Déjà, je les ai eues en solde et en plus, elles m'affinent carrément la jambe. Oui, oui, les soldes à 25%, oui. Et sur une paire de chaussures à 1651 francs, ça fait quand même 1243 francs. Oui, bon, bah c'est comme ça, c'est les seuls qui allaient avec mon pantalon gris. Un pantalon à 1400 francs. Additionné aux chaussures, cela me fait 2635 francs. Sachant que la cantine coûte 11 francs par jour et par enfant, que nous avons 2 enfants, qu'ils mangent 20 jours par mois à la cantine, combien de semaines aurait-il pu manger si tu n'avais pas dilapidé l'argent du ménage? ⁇ 440 francs. 2641 divisé par 440 francs, cela nous fait... 6 mois, soit 24 semaines. Eh ben tu vois, je me demande vraiment comment t'as pu rater ton concours d'expert comptable. Attends, mes chaussures, tu vois. Ben, j'en veux plus. Jocelyne!